Bonjour tout le monde, moi c'est Aléana, si vous ne me connaissez pas encore, et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aussi pour ce vlog sur What I Eat in a Day. Donc je viens de me lever, il est 8h23, et je bois mon premier litre de thé, donc du thé chai épicé. Ça fait longtemps que j'ai fait un What I Eat in a Day, j'avais plus trop d'inspiration. C'était pas fort non plus au niveau moral, donc j'avais pas la motivation. On va voir comment va se dérouler la journée. Pour l'instant, je crois que je vais faire une vidéo avec mon coffret limité et 28 All Star et Sugar Pill. Et puis je vais bien voir. Hier, je suis allée à la Comédia pour faire la retouche de mon tatouage. Je sais pas. Hier, j'ai fait un dalle de lentilles avec gingembre, curcuma, muscade. Je crois que c'est tout. Lentilles corail, carottes, oignons, ail. Donc, je pense que je vais manger ça ce soir en dalle. On verra bien. Je sais pas trop encore. Pour ce midi, donc il est 11h46, je me prends un dalle de lentilles corail avec du lait de coco, des carottes, des oignons, de l'ail, du gingembre, de la noix de muscade, du curcuma et du sel, du poivre. Je me prends une soupe tomates et légumes de konjac parce qu'avec les médicaments, j'ai pris 3 kilos en une semaine. Donc je fais attention à ce que je mange. Donc je préfère manger plus de petits repas et puis libérer ça plutôt que de faire des gros et puis avoir encore envie de manger. Et voilà, je gère mieux. Et je me suis fait 1 litre d'infusion donc après repas. Donc menthe et fenouil bio pour digérer ce repas. Et je me prendrai sûrement une clémentine en dessert. Je viens de sécher mes cheveux, donc je vais les lisser et ensuite je pense que je vais les curler un petit peu. Ça fait longtemps, donc on va tester ça. J'ai envie, vu que je suis malade, j'ai pas envie d'avoir une tête trop fatiguée pour pas
apitoyer encore plus. J'ai envie de mettre un peu de pump justement pour passer au-dessus. Je sais pas ce qu'elle a vu, mais elle l'a vu. Je crois que c'est la mouche. Enfin voilà. On va faire ça. J'ai un petit creux, donc je vais me faire un wrap avec le reste de dalle, du concombre, champignon, avocat. Et le wrap, ça sera à l'épeautre et à l'avoine. Comme ça, c'est moins lourd que le blé. Et je vais manger ça. Et après, je pense que si j'ai toute fringale, parce que là, c'est sûrement les médicaments, je vais me faire un jus. Ouais. Et je me ferai, je sais pas de quoi me faire un smoothie. Ouais, ça sera des soupes ou manger des crudités. Donc voilà, c'est mon wrap. Donc j'ai mis un peu de véganisme, donc du fromage cheddar, donc de Butter Island vegan bien sûr. De l'avocat, de l'oignon, des champignons, des concombres, des émincés de tofu et donc bah, ma galette frappe. Donc voilà, ça va être ce que je vais manger pour ce midi. Hop. Et voilà. Je viens de rentrer des courses, donc j'ai fait la majeure partie des courses pour la semaine, donc du flocon d'avoine, des fruits, des légumes. Qu'est-ce que j'ai pris encore? De la levure boulangère, enfin plein de trucs pour essayer de manger un peu plus sainement. Et je suis en train de boire mon smoothie, donc mon super smoothie antioxydant. Ça fait juste trop du bien parce que les courses c'est épuisant. C'est les vacances. On est samedi, donc enfin, génial. Trop de monde, c'était infernal. Enfin voilà, je vais boire mon smoothie, puis je vais me caler un petit peu et je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir, je sais pas trop. Et il y a la vidéo tutoriel de ce maquillage, là, comme ça. Bon, je suis un petit peu rouge à cause des courses, mais la vidéo tutoriel va arriver.